je ne voulais pas qu'il soit relâché en centre de déchets. Je trouvais ça triste et puis ça aurait été le condamné en fait et voilà. Je suis famille d'accueil pour une association et on m'a prévenu que j'allais récupérer un chat sauvage. Alexandra, donc la trappeuse, a attrapé Domino, l'a déposé chez le vétérinaire pour le castrer tout de suite. Le vétérinaire a décelé chez lui une jaunisse, donc il avait très peu d'espoir sur la survie du chat, hein. Et après, il est arrivé chez moi, donc il a d'abord été isolé en grande cage taille chien en fin de compte pour pouvoir lui faire les soins, pour pouvoir l'approcher et petit à petit bon bah la caresser. Sa jaunisse, on a réussi à lui faire passer, mais il reste quand même très très fragile au niveau du foie. Et à noter aussi qu'il a été attrapé dans une déchetterie. Alors en temps normal, les chats vraiment sauvages, on les relâche sur place. Mais là, bah déjà parce que je suis tombée folle amoureuse de son regard, même pas en bonne santé, voilà. Et parce que aussi, je ne souhaitais pas qu'il soit relâché. Le fait que ce soit quand même un gros nounou, hein, parce que bon, il fait quand même plus de 4 kilos, pépère. Et puis le fait aussi que je ne voulais pas qu'il soit relâché en centre de déchets. Je trouvais ça triste et puis ça aurait été le condamné en fait et voilà. Déjà tous les chats de l'association, l'identification est obligatoire pour pouvoir déjà les reconnaître en cas de fuite. Donc il a été identifié par l'association, mais moi de toute façon l'identification c'est important on va dire. Parce que si on perd l'animal, au moins on sait qu'on a peut-être une chance de le retrouver. C'est une sécurité pour lui. Non, c'est quand même quelque chose de très important, tout comme la castration ou la stérilisation d'ailleurs, hein. Donc voilà. Moi, je suis contente de recevoir ma carte ICAD avec l'animal à mon nom, qui prouve bien qu'il est à moi. Et moi, je disais toujours, les chats dans la rue, même s'ils appartiennent à quelqu'un, s'ils ne sont pas identifiés, nous, on est en possibilité de les prendre. Puisqu'ils ne sont pas identifiés, ils appartiennent à personne.